Et voilà. On va bienvenue à bord. Ouais, super. Regarde un peu la grand-voile. On va pas à 22, c'est quand même. C'est Edouard là-bas. Ça mérite un peu de concentration, c'est normal. J'ai appris à naviguer ici, j'ai rêvé devant sur les pontons de la Transat Jacques Vabre quand j'étais enfant. Voilà, mon collège, Irène Joliot-Curie était juste à côté de pas loin du bassin Paul Vatine. Donc après les cours, j'allais voir les bateaux. J'allais à la Transat comme on dit au Havre. À Jacques Vabre, c'était devenu un objet de fierté. Et puis, je vais vous dire, le fait que Charlie performe, c'est une fierté, pas simplement parce qu'il gagne et qu'on l'aime bien, même si ça, c'est déjà très important. C'est parce que quand vous faites des trucs dans une ville, vous espérez que vous allez donner envie à des gens. On peut essayer ? C'est un rendez-vous qui était incontournable pour moi en tant qu'enfant et qui m'a fait énormément rêver. Le fait que les gens aiment ça, qu'ils viennent, qu'ils suivent, qu'ils rêvent, qu'ils admirent des marins, c'est très important. Dans la cuisine, je vais faire bouillir un peu d'eau. Et puis on va réhydrater tout ça et puis on va pouvoir faire une petite dégustation. Dans la main. C'est assez rustique, quoi. Mais bon, je voulais que je vous dise, personne ne le force non plus, hein, on va pas le plaindre. Alors, pour l'ensemble. Non, franchement, ça va. Non, c'est super. Magnifique. Bon, on va très vite. Merci.